La loi sur la statistique fédérale, qui date de 1992, réglemente tous les travaux statistiques. Cela va du relevé des données statistiques ordonnées par le Conseil fédéral jusqu'à la diffusion, la livraison des données à la recherche, la publication et aussi la protection des données et la sécurité informatique, bien sûr. Elle est accompagnée en tant que loi cadre de différentes lois spéciales, par exemple celle sur l'harmonisation des registres de personnes, celle sur le recensement fédéral de la population et celle sur le numéro d'identification des entreprises. La loi sur la statistique fédérale n'a été que peu modifiée depuis 1992. Ce n'est pas négatif, mais plutôt même positif. Ça veut dire qu'à l'époque, déjà, elle était moderne et visionnaire. Par contre, une modification qui mérite d'être soulignée, c'est l'introduction de l'article 14A sur l'appariement des données, qui a été introduit par le biais de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres de personnes. Et cette disposition a permis d'ancrer le rôle central de l'Office en matière de statistiques fédérales. Ça a permis de développer aussi les travaux statistiques, le traitement des données, en autorisant pour l'OFS la liaison, l'appariement de données individuelles. Et ça permet aussi de répondre aux nombreux besoins de la recherche. La loi sur la statistique fédérale est toujours d'actualité. Elle était même visionnaire puisqu'elle nous permet encore aujourd'hui de répondre aux défis de modernisation du mode de relevé des données pour la statistique fédérale. Elle nous permet d'envisager de diminuer la charge des personnes interrogées, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales, et de répondre au but fixé par le Conseil fédéral, qui est de réaliser le principe du once only, c'est-à-dire d'utiliser au maximum possible les données qui figurent dans les fichiers et les registres de l'administration fédérale. Et il faut souligner que ce mode de relevé était déjà la priorité 1 en 1992 lors de la rédaction de la loi sur la statistique fédérale.